Bravo aux éléphants. C'est un message que je suis plus qu'heureux d'enregistrer. Ce maillot aurait été celui qui m'a servi le plus brièvement. On m'a critiqué pour avoir mon vieux maillot de supporter. Il y avait une étoile et puis le maillot à deux étoiles. Maintenant, il faut que j'achète le maillot à trois étoiles. Ce sera une dépense que je ferai de bon cœur. Bravo aux éléphants. Bravo à l'encadrement technique, notre entraîneur qui va devenir vraiment un héros national. Bravo à tous. Bravo aussi à nos amis nigérians qui nous ont permis d'avoir une belle finale sans pénalty, finale de fair play, où je crois que vraiment la meilleure équipe sur le terrain ce soir a gagné. Celle qui avait le plus de détermination et qui, bien qu'étant menée 1-0 au score, est revenue à 2-1. Donc bravo aux joueurs. Après le 4-0 face à la Guinée équatoriale, franchement, nous étions nombreux à pratiquement à ne plus y croire. Vous nous avez donné une leçon de courage, de résilience, de détermination. Ce sont les mêmes joueurs qui ont perdu 4-0 contre la Guinée équatoriale, qui ont gagné ce soir, qui nous ont offert une troisième Coupe d'Afrique. Donc un message à tous nos frères, toutes nos sœurs ivoiriennes. Rien n'est impossible quand on a la détermination et qu'on travaille. Voilà ce que je retiens de cette victoire. Merci, merci, merci à nos éléphants pour la joie qu'ils nous donnent ce soir. Félicitations aux autorités, au président Alassane Ouattara, à tous ceux qui ont organisé cette CAN sur notre territoire pour une troisième victoire historique. Maintenant à la quatrième étoile. Merci, bonsoir et célébrez cette victoire dans la joie et dans la paix. Merci à tous.